Je m'appelle Raphaël Thiébaud, j'ai 35 ans, je fais du kayak depuis 24 ans. Je suis né dans le nord-est de la France, j'ai pas mal baroudé, maintenant j'habite à Briançon. Je suis guide de rivière, formateur sécu pour le CREPS. Maintenant, principalement, je travaille comme photographe pour les revues spécialisées canoë, kayak et outdoor. De par mes différentes activités, j'ai eu la chance de faire quasiment le tour du monde, de naviguer de pays aussi lointains et exotiques que la Sibérie à la Patagonie, le Népal, le Maroc, l'Afrique, les États-Unis, la Colombie et à peu près tous les pays de l'Europe, de la Norvège à la Turquie. Le fait de voyager me permet de faire des photos, le fait de vendre mes photos me permet de voyager, donc ça fonctionne tout ensemble. J'aime vraiment les Hautes-Alpes comme camp de base parce que je suis sûr quasiment toute l'année je vais pouvoir naviguer. Il y a toujours de l'eau, que ce soit par la fonte ou par la pluie, il y a toujours des parcours qui seront navigables. Et donc entre deux voyages, entre deux expéditions, je suis sûr que je vais pouvoir trouver de quoi naviguer et m'amuser. Le Gil, c'est une grande classique des Hautes-Alpes que j'aime particulièrement. Et puis pour y aller, il faut passer par le col de l'Isoard, qui est un endroit que je trouve exceptionnellement beau et dépaysant. C'est souvent là que j'emmène les gens pour la première fois parce que le cadre est magnifique, la rivière est superbe, technique, de très belle navigation. La combe de Château-Quéra, c'est un endroit assez unique parce que c'est hyper étroit, ça va très vite, il y a très peu d'endroits pour s'arrêter. Et puis une fois qu'on a passé le pont, on est obligé d'aller en bas quoi. On est parti pour 500 mètres de navigation où il n'y a pas d'échappatoire quoi, il faut arriver en bas de toute manière. La Fosse, c'est le rapide de légende des Hautes-Alpes. Donc c'est mon jardin, c'est à 2 minutes de chez moi, je vois les fortifications depuis la rivière. Ça reste quand même de la navigation sérieuse, mais ça permet de rester dans un niveau de pratique assez élevé et de naviguer régulièrement. Donc le département des Hautes-Alpes, c'est quand même un département où il fait vraiment bon être kayakiste. Il y a les bassins de Salom, de l'Argentière, de Saint-Clément, il y a des beaux parcours de descente, il y a du kayak extrême, il y a quelques vagues pour le freestyle. On peut faire du kayak de mer sur le lac de Serre-Ponçon. Moi je vais régulièrement me promener en canoë avec mes filles, que ce soit sur le lac, sur la base d'Urance vers Talard. On peut vraiment pratiquer toutes les formes du canoë, du kayak dans les Hautes-Alpes.